C'est Louise Henriz et Crazy X. On va vous faire une démonstration de chimie dédiée à Flopiro. Premièrement, on prend une bouteille de Vitalitos. Deuxièmement, on prend cette boîte de médicaments composée d'acide tartrique et de carbonate acide de sodium. Il ne faut pas oublier que normalement, il faut un demi-sachet pour 1 litre d'eau. Là, nous allons utiliser un sachet, 25 centilitres d'eau. Top! En laissant le minimum d'espace pour qu'il y ait un maximum de pression. Comme vous voyez, les bouteilles Vitalitos ont une forme uniforme. Forme uniforme. Il va falloir vraiment aller très vite. Putain, je stresse. Attention! On ouvre, on ouvre. Et ouais, ça s'appelle l'explosion à l'acide tartrique et au carbonate acide de sodium. Maintenant, nous allons faire le test avec 3 sachets. Pour cela, il faut être très rapide et avoir une bonne maîtrise. Premièrement, prenez l'étiquette de la bouteille ou un papier cartonné et versez les 3 sachets à l'intérieur de la rigole formée à partir de celui-ci. Ouais, alors là, normalement, avec l'équivalent de 3 sachets, ça va complètement exploser. Attention, les amis! Mais! Éclate-la par terre! Tu l'éclates par terre! Allez, explose, explose! Éclate-la par terre! Ça n'aurait pas été suffisant! Éclate-la par terre! Oh putain! Voilà! Comme quoi, un sachet d'acide tartrique, ça peut être meurtrier, les gars! Une fois qu'il vous reste de l'eau à l'intérieur, cette eau devient extrêmement pétillante et c'est vraiment délicieux, ça a un goût de limonade. Et ouais, c'est pas nocif du tout pour la santé. Et même de la fumerole.